On travaille entre 80 et 82% de produits frais. Pourquoi? Parce qu'on a la particularité sur cette cuisine d'avoir une légumerie. Donc on travaille beaucoup de légumes frais. Et on a aussi un atelier pâtisserie. On a eu récemment une certification ISO 9001, 14001 et 18001. Donc c'est qualité, certification qualité, sécurité et environnement. On est la seule cuisine centrale en France à avoir ces trois certifications. On fait donc des repas pour des enfants qui vont de 2 ans, voire 2 ans et demi, jusqu'à 11 ans. Nous, c'est essentiellement donc maternelle, primaire. Donc on se doit d'être très 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 vigilant en termes d'hygiène et de sécurité. Tel avec son équipe donc, qui est chargée de préparer tous les légumes pour la fabrication des repas pour les enfants. On a ici sur la cuisine centrale de l'Ulysse Restauration un agrément européen. Donc on a le droit au jour de préparation plus 4 jours de consommation. Nous, il faut savoir qu'on travaille toujours à J+2 en moyenne, jour de préparation plus 2 jours. On a une équipe de plusieurs plongeurs qui tournent bien sûr sur la journée. La cuisson des pâtes, donc là pareil, on a un processus qui est à respecter. Hein, donc cuisson, il y a des minutes à respecter de cuisson et un refroidissement derrière. Là, on a une diététicienne et elle, son travail, bien entendu, c'est de voir s'il y a autant de fritures, autant de hachés, autant de viande classique. Autant de produits avec des protéines ou des lipides. La particularité, c'est qu'on pèse toutes les barquettes. Ça là-bas aussi, ouais. En fait, c'est tout simplement pour respecter les grammages. Si jamais on a eu un souci, une cellule qui tombe en panne ou quelque chose comme ça, qu'on a dépassé les 2 heures, donc là, on a pour consigne d'isoler, donc de noter qu'on est non conforme. On isole le chariot, c'est un chariot qui serait détruit. On sait toujours qui a entré le chariot, qui l'a refroidi. Et pareil pour la partie cuisson. Donc du début jusqu'à la fin, avec cette fiche, on sait qui a fait la sauce, qui a assemblé. Voilà, donc il va y avoir une tarte au flan, le menu, en pâtisserie. Donc voilà la préparation.